Déjà absent aux tests médicaux de reprise du FC Barcelone, dimanche, Lionel Messi n'était pas non plus présent lors du premier entraînement collectif dirigé par Ronald Koeman, ce lundi. C'était attendu. Comme prévu, Lionel Messi n'était pas présent lors du premier entraînement collectif du FC Barcelone afin de préparer la saison 2020 à 2021. Le natif de Rosario confirme ainsi encore un peu plus sa volonté de partir, lui qui n'avait pas été là dimanche pour les tests médicaux de reprise. Décidé à quitter le club catalan, comme il l'a notifié par Burofax, mardi, l'Argentin n'aurait, de toute façon, pas pu participer à la séance étant donné qu'il n'a pas passé le test du coronavirus. Piqué, Suarez, Vidal et Dembélé, tous présents. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club catalan a donné des indications sur la séance de ce lundi, évitant de mentionner le nom de Messi. Ronald Koeman a participé à sa toute première séance d'entraînement du FC Barcelone, au cours de laquelle les joueurs se sont entraînés individuellement après le premier jour de retour pour les tests PCR dimanche pour les joueurs qui ne s'entraînaient pas déjà. Les 19 joueurs impliqués dans l'entraînement d'aujourd'hui étaient Piqué, Suarez, Dembélé, Neto, Jordi Alba, S. Roberto, Vidal, Junior, Rafinha, O. Busquets, Mateus, Wag, Araujo, Hakim, Cuenca, Conrad, Ile Moriba, Monchu et Arnaud Tenas. Certains joueurs étaient sur le Tito Villanova tandis que d'autres s'exerçaient sur terrain 2 à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ivan Rakitic n'était pas présent avec l'autorisation spéciale du club, peut-on lire. Le milieu de terrain croate, 32 ans, était à Séville, ce lundi, afin d'effectuer des tests médicaux en faveur du FC Séville, son ancien club avant qu'il rejoigne le Barça, il y a 6 ans. L'affaire Lionel Messi, elle continue. Déjà absent aux tests médicaux de reprise du FC Barcelone, dimanche, Lionel Messi n'était